Bonjour à tous. Alors sur un Fiat Ducato, que ce soit camping-car comme celui-là ou utilitaire, pour pouvoir installer un boîtier Reship, il vous faut déjà enlever le cache moteur pour pouvoir accéder au capteur de rampe qui va se trouver ici. Donc il faudra déjà le débrancher, vérifier que la prise est la bonne et ensuite réinstaller. Voilà, une fois débranché, la prise se présente comme ceci. Je vous invite pour plus de facilité à décrocher le faisceau de ces guides, le déclipper de la rampe et enlever, démonter la prise du premier injecteur. Comme ça, vous pouvez accéder à la prise qui se trouve ici assez facilement. Donc vous vérifiez bien que celle d'origine est bien la même que celui du faisceau Reship. Vous réinstallez ça à la place de celle d'origine. Et la prise d'origine, vous venez la rebrancher ici. Il faut tout réinstaller, le faisceau est invisible. Celui-là, celui du Reship, on va le réattacher sur la gaine du faisceau qui va au calculateur. Et ensuite, vous pouvez directement rebrancher le boîtier. Et voilà, plus qu'à mettre le contact pour voir si le boîtier s'allume bien. Et s'il s'allume, essayez de démarrer.